Mes amis, l'heure est grave. Je vais faire l'arène dans ce chapitre. Mais d'abord, j'ai un rêve à accomplir. C'est quelque chose qui me taraude l'esprit depuis des années. Et il faut que je le fasse devant vous. Vous êtes prêts? Non. C'est pas grave, j'y vais quand même. Waouh! Je suis aussi déçu que vous, en fait. Putain, j'aurais jamais dû faire ça. Wow. Ah, c'est un chacripan. Bon, ok, je vais le capturer. Init, vas-y, blesse-le un petit peu. 4 semaines à l'hôpital. Ah, mais j'avais dit un petit peu. Plusieurs associations ont décidé de porter plainte pour actes de barbarie et sévices graves. Putain, vite, faut capturer, vite. J'en skateball, celle-là. La violence, elle est gratuite, elle est quotidienne. 1, 2, 3, 2... Et voilà, tu es capturé. Je vais lui donner le nom de mon défunt chat. Chat qui périt de façon tragique sous une voiture. Tu me manques, miaou. Regarde en toi, Sim. Hé hé, tu ne peux pas gagner contre... Bon, du coup, j'aperçois Ogoès. Moi aussi, je te vois. Alors, c'est parti. Eh oh, oh, allez, viens, on se bat. Ouais. Et en plus, je m'y attendais, c'est ça le pire. Hé, hey, tu veux te battre? Yanka a lancé le combat sans me demander mon avis. J'avais même pas sonné mes Pokémon, putain. Bon chiot. Et Nid revient. Bon, par contre, je vais mettre Ewing devant parce qu'il a trop la classe. Ok, vas-y, charge, t'encaisse, t'es un bonhomme. Ensuite, morsure dans sa face. Bim! Ah, mais Poncho utilise Flair? Le chien possède un odorat très développé. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Et Wink ne m'écoutait plus, il était tout perturbé. Ressaisis-toi, Ewing! Garde la foi, concentre-toi! Vas-y, attaque, charge! Dans ton cul. Bon, Ewing, tu peux te reposer. Miaou, en avant! Ewing, en avant! Ah bah oui, forcément! Le message qui va suivre est sponsorisé par le comité de défense d'Iratentif. Bien à vous. Ça parle, Popette, la situation n'est pas à mon avantage. Il est temps d'utiliser la potion. Oui. Attaque fouet. Et oh, carré de bord, c'est tout public, hein, tu ranges ton fouet. Ah d'accord, désolé. À mon tour d'utiliser la potion. Ok, alors je résume la situation. Vipelier est plus rapide que Ewing. Il va donc l'attaquer en premier. Mais comme il lui reste très peu de points de vie, si Ewing résiste, il le bat. J'ai pas compris. Allez Ewing, t'es prêt? Je prends mes affaires. Oh putain, un point de vie! Ewing! Survivant de l'enfer! Ewing, le survivant, bientôt au cinéma. Et maintenant, tu vas faire quoi, Bianca? Vaincre Ganon. Oh punaise de chez punaise de chez punaise! Grognonieux! Tu rigoles pas, N? Est-ce que j'ai l'air de rire, Bianca? Tu fais peur à pas rigoler. Moi, je vais entraîner mes Pokémon là-bas. Et donc, après avoir battu Bianca, il était temps que j'arrive à Ogoès. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh! 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 Jafar! Il faut que vous veniez voir ça! N. Un visiteur venu d'ailleurs. Ah mais oui, il faut que je soigne mes Pokémon. Oui, en fait. Madame, mes Pokémon sont souffrants, soignez-les. Non. Je viens de l'apprendre, mais plus on a de badges, plus on a de badges. C'est génial. Plus on peut acheter d'objets différents dans les boutiques. Ah ouais, c'est vrai, moi j'ai quoi? L'impaville corps de bombe. Eh, madame, s'il vous plaît. Eh mais putain. Mais pourquoi les gens, ils sont méchants ici? Les Pokémon de type eau sont faibles face aux Pokémon de type plante. Allez, yes! Je sais plein d'autres trucs aussi. Par exemple, la vitesse de la lumière dans le vide a la même valeur dans tous les référentiels d'inertie. C'est une constante universelle. Oui, je le savais, oui. On évalue le talent d'un dresseur au nombre de badges qu'il possède. Et oui, je suis une femme et je t'emmerde. Toi aussi, défie les champions d'arène et accumule les badges. Toi aussi, tu devras affronter les champions. Oh mon dieu, c'était Cheren. Je l'ai reconnu. Eh, hey, petit attentif. Oh, et vous avez entendu ce qu'il m'a dit? Oh, je suis offusqué. Vas-y, Ewing, défonce-le. L'école des dresseurs. Allons voir. J'aimerais bien tester tes connaissances sur les altérations de statut. Dis, je peux? Ah, une interro? Bah, d'accord. Bon, alors, question. Question pour un super champion avec, bien sûr, Julien Lepers. L'objet qui permet de guérir un Pokémon empoisonné, c'est lequel? Est-ce l'antidote réponse A, l'antipara réponse B ou le réveil réponse C? Ou encore D, la réponse D. Envoyez votre réponse dans les commentaires au 85222. Vous avez 5 minutes pour appeler Top Chrono. Eh, mais je connais ce type. Bonjour, monsieur. A-N. A-N-A-D-I-N. Jusqu'à quel point les objets sont-ils efficaces? Jusqu'où peut-on se battre sans eux? Telle est la question. Pour un super champion, hé, hey, tu veux te battre? Ah non, mais moi, je n'ai rien à faire des objets, je n'ai rien à faire de la stratégie. Moi, je t'affronte comme un bonhomme, gruy cuit contre moustillon. Allez, c'est parti. Bah voilà, c'est pas si compliqué. Pistolet à eau. It was at this moment Jackson knew. Ah non 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 non. He fucked up. Oh punaise. Punaise de chez punaise. Bon, Vandal, en fait, tu t'en sortiras mieux. Utilise morsure.
Mais attends, mais il fait quoi là? Haha, je t'avais dit que les objets étaient importants. Mon moustillon tient une baie au rang. Mais sale tricheur, moi j'ai pas d'objet comme ça. Oh bah voilà, j'ai un objet comme ça. C'est reparti. Haha, tu fais moi le malin maintenant. Tu vas voir, je vais me rattraper. Oh. Bien joué, Wing, tu l'as trop bolos. Si je perds contre toi, c'est que je manque encore de pratique, hein. C'est pas ma faute. J'en étais sûr, la maîtrise des objets est un art subtil. Non. Oui, je suis bien le champion arène de cette ville. Et toi, tu es? Je m'appelle Ahmed. Ah, c'est pour un combat à l'arène? Puis, je te demandais quelque chose. Quel Pokémon tu as pris en premier? Grui-cui. Il est faible face au type O, n'est-ce pas? Non, c'était juste pour savoir. Tu devrais faire tes préparatifs, à mon avis. Tu en as besoin. Il a l'air super sympa. Mon Pokémon, il lui arrive un truc pas croyable. Juste après le combat, pouf! Jeune dresseur parti sur les routes. Une vie de rousse. Ta famille doit parler de toi, allons point de thé. Ah là là, depuis que mon boss est parti, c'est la belle vie. Bon, je fais toujours l'arène dans le chapitre, mais avant je vais m'entraîner. Ah, on est où là? Dans ton cul. En fait, nous on s'entraîne par ici. Allez, toi aussi, viens. Allez, viens. Ouais, elle est trop stylée cette musique. Ah, elle te plaît? C'est ma musique à moi et mon crew. Ah ouais, c'est une trop bonne idée, moi aussi il me faut une musique. En attendant, miaou, utilise assistance. Regarde en toi aussi. Attaque assistance, toi aussi. Waouh, le combat va être long. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour faire une ellipse. Ah, voilà, ça y est. Ah, elle a un deuxième chakripan. Ah, mais attends, mais ça veut dire que si le premier chakripan avait fait assistance et que ça avait fait l'assistance du deuxième chakripan, il serait passé quoi? Tu n'étais pas censé poser cette question. Tu as perturbé la matrice du jeu. Donc, miaou, reviens. En avant, init. Hé, hey, ma musique. Pourquoi t'as retiré ma musique? Et pourquoi ton init, y a pas de E à la fin de son nom? Pourquoi? Attaque flamèche. Mais tu vas me répondre? Non. Allez, finis-le. Et voilà le travail. Oh là là. Oh là là. Tu as un talent inné pour être dresseur, je t'assure. Sus. Sus. Et est-ce que je pourrais avoir le nom de ta musique, s'il te plaît? Elle est trop cool. Ah, mais bien sûr, tu peux avoir le nom de cette musique dans la description. Trop cool, j'irai voir. Et en plus, je vais mettre un pouce vert et je vais m'abonner. Hé, hey, monsieur. Quoi? Oh, yoyoyoy. Dis, c'est quoi le premier Pokémon que tu as reçu? Grui-cui? Alors il te faut un feuillage joue. Il est du type idéal pour contrer les Pokémon de type O, qui sont le point faible de ton Grui-cui. C'est la meilleure idée du siècle. Tu le voudrais alors, ce feuillage joue? Ah bah d'accord, j'avais pas prévu d'avoir un nouveau Pokémon maintenant. Super! Ah mais du coup il faut le renommer. Oui en fait. Comment je vais l'appeler? Comment je vais l'appeler? Comment je vais l'appeler? Mais wesh, je l'appelle comment là? Vous savez quoi? J'ai envie de laisser le suspense. Vous saurez ça au prochain chapitre. Par contre, excuse-moi si je te coupe, hein, mais t'étais pas censé faire l'arène dans cet épisode. Allez, enfuis-toi, vite! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh là, qu'est-ce qui se passe?